c'est là-bas. Face à un incendie de maison d'habitation à simple rez-de-chaussée, trois chambres et salons. L'alerte a été donnée par le directeur général de la protection civile à 18h06. Le constat ici, c'est il y a de peur que de mal. C'est des pertes matérielles, pas de pertes corporelles. Le feu est éteint totalement. Nous sommes en train de faire le déblai pour finaliser l'extinction totalement. Ici, l'origine, il semblerait que le coffret que vous voyez à ma gauche, l'origine de cet incendie semblerait d'être venue de là-bas. Avec beaucoup de surprises, beaucoup d'inquiétudes et de consternation, nous avons appris qu'il y a le feu chez notre général au niveau de la cité ici. Et donc, vraiment, on a tout de suite accouru pour venir voir, pour venir l'aider, pour venir surtout le réconforter, et lui et toute sa famille. Et nous voulons dire merci déjà aux riverains qui étaient là, les travailleurs, qui sont venus l'aider pour déjà mettre le sable, le temps que les sapeurs-pompiers arrivent. Et tout de suite, dès leur arrivée, ils ont pris les choses en main. Et alhamdoulilah, on remercie Dieu surtout parce que ça s'est fait dans la journée, cet après-midi, et ça s'est fait aussi quand il venait juste de rentrer. Donc on remercie Allah pour ça,
On remercie tout le monde, tous ceux qui ont pu faire le déplacement, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, les journalistes, mais également les riverains qui étaient là, les collègues que nous sommes, pour venir réconforter la famille. Et il y a aussi autour de nous tous les travailleurs de la police aussi qui sont venus soutenir Monsieur le ministre. Il y a eu des pertes matérielles, mais pas de pertes en vies humaines. Toute la famille se porte bien. Le ministre aussi, comme vous le voyez, ça va. Le pire est passé. Thank you.